C'est en Bulgarie que vous pouvez lire et vivre un des plus beaux contes d'hiver que la nature a jamais créé. La blanche magie des montagnes est vraiment enivrante. La combinaison de neige, de soleil et de bonne humeur vous pousseront à parler à vos proches et amis de ce pays de rêve, des gens qui l'habitent et des merveilleux instants de communion avec la beauté. La moitié du territoire de la Bulgarie est occupée par des massifs montagneux d'altitude, de superficie et de caractères différents, excellents pour des vacances, du sport et du tourisme en toute saison. Le Pirine est la deuxième plus haute montagne de Bulgarie. Elle présente aussi le caractère alpin le plus souligné. Le massif du Pirine se trouve dans le sud-ouest du pays et occupe une superficie d'environ 1210 km². Le climat y est montagneux avec une forte influence méditerranéenne. Aussi présente-t-il le plus grand nombre de jours ensoleillés pendant l'année. Chanté dans le folklore populaire, les sommets du Pirine offrent d'excellentes conditions pour les sports d'hiver et l'alpinisme. Ils sont plus de 10 les sommets qui dépassent 2500 mètres d'altitude. Celui qui pointe le plus haut est le pic Vikren, 2914 mètres d'altitude. Les parties nord de la montagne abritent plus de 150 petits lacs glaciaires. Le plus haut d'entre eux, celui de Gorno-Polejane, se trouvant à 2710 mètres d'altitude. Il est d'ailleurs le plus haut lac glaciaire des Balkans. La nature unique du Pirine est à l'origine de la décision de le classer parc national. Il englobe presque toute la partie nord de la montagne et couvre une superficie d'environ 40 000 hectares. Sur décision de l'UNESCO, le parc Pirine fut inclus en 1983 dans la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, comme parc national de biosphère. Blotti au pied de la plus jolie et plus haute partie de la montagne, la ville de Bansko est un lieu de prédilection pour les touristes bulgares et étrangers. La ville a 12 000 habitants et se trouve à 925 mètres d'altitude. Bansko n'est qu'à 160 km de Sofia, la capitale de la Bulgarie, et s'affirme comme une des plus belles stations de sport d'hiver du pays. Les conditions de sport et de loisirs y sont parmi les meilleures de toute la péninsule balkanique. De nombreuses pistes de ski, quelques télésièges et télécabines, possibilité de héliski, c'est-à-dire assisté par hélicoptère, une installation spéciale de snowboard. Les pistes sont sécurisées et parfaitement entretenues et une urgence médicale y fonctionne en hiver 24 heures sur 24. Au sud de Bansko se trouve le site Chiligarnica, le plus grand centre de ski du Pirine. La ligne de téléphérique, longue de 706 mètres, a une capacité de 800 personnes en une heure. Au pied du pic Todorka, à 2450 mètres d'altitude, se trouve la plus haute piste de ski de Bulgarie. On peut y skier jusqu'à la fin du mois de mai. L'hospitalité de Bansko est une combinaison unique en son genre de sites naturels, historiques et culturels, et de conditions modernes de sport et de tourisme. Les deux iconostases d'église, l'exposition ethnographique et la maison des arts sont autant de sanctuaires culturels. L'exposition permanente d'icônes abrite les meilleurs échantillons de l'école de peinture de Bansko. L'architecture de Bansko est aussi originale qu'authentique, conservant l'histoire de la ville et les élans spirituels de ses habitants. De hauts murs et des portes à deux battants entourent des maisons en pierre de l'époque de la Renaissance bulgare. La multitude d'hôtels, de restaurants typiques, de snacks et de quicks vous permettront de vous faire une idée des meilleures traditions de la cuisine bulgare et d'y trouver des plats à votre goût. Vous pourrez y apprécier aussi la sonorité caractéristique des chants masculins de Bansko, un vrai phénomène du folklore musical bulgare. Vous pourrez goûter les spécialités culinaires du pays, kapama et chashlik, et sentir la caresse du soleil bulgare
dans le bouquet du fameux vin de Banjko. L'Hérodope, la montagne la plus pittoresque de Bulgarie. Les profondes vallées, les hautes collines et les charmants petits villages, blottis dans les replis de la montagne, font naître un sentiment de confort et de chaleur humaine. Sentiment renforcé par l'hospitalité et la sagesse des gens du pays. Le massif d'Hérodope a laissé des traces indélébiles dans la mémoire des Bulgares. Sa beauté sans égale en fait un lieu de prédilection pour le repos. On peut s'y charger d'énergie spatiale et toucher les étoiles. Ce n'est pas par hasard que cette montagne est le lieu de naissance du légendaire chantre Orphée et que Homère, le grand poète de l'Antiquité grecque, appelle l'Hérodope les montagnes enneigées des Thraces. Blottie au cœur d'Hérodope, Pamporovo est une des perles des stations d'altitude bulgares. Située à 1650 mètres d'altitude, Pamporovo est certes la plus grande et la plus populaire station de vacances de neige bulgare. Les remontes-pentes, télésièges et télécabines ont une capacité de 7000 personnes en une heure. Ils traversent de séculaires forêts de conifères. À Pamporovo, l'hiver est aussi un paradis pour les amateurs de snowboard. On y a aménagé pour eux un halfpipe spécial, long d'environ 150 mètres et bordé de parois de 3 mètres de haut. L'absence de brusques changements du temps et d'avalanches vous garantissent un séjour en toute tranquillité et sécurité. La neige s'y maintient pendant plus de 150 jours et la nappe de neige dépasse souvent 2 mètres. Les pistes de ski de Pamporovo ont différentes longueurs et caractéristiques. Peu importe si vous êtes débutant ou un skieur expérimenté, vous y trouverez votre plaisir. Même si vous n'avez jamais auparavant chaussé des skis, ne vous en faites pas, les écoles et les moniteurs de ski de Pamporovo sont parmi les plus réputés en Europe. Les débutants ont à leur disposition quelques pistes appropriées, équipées de tout le nécessaire. Bien entendu, il y a aussi des pistes abruptes pour les skieurs chevronnés qui adorent la vitesse. Pamporovo attire les touristes par la beauté de sa nature, par la pureté de l'air et la douceur de son climat. Non loin de là se trouvent quelques autres centres de vacances. Le village Stoïkité, l'ensemble ethnographique Chirokalaka, les villages de Momchilovtsi et de Pogled, la ville de Smolian, dont certains figurent sur la liste de l'UNESCO des sites protégés.
Le Rila est la plus haute montagne de la péninsule balkanique. Son pic Moussala culmine à 2925 mètres. Impossible de décrire la beauté du panorama qui s'offre à nos yeux vus de haut. Les yeux bleus des jolis lacs, dont le nombre dépasse 200, les ruisseaux et les torrents, les tapis multicolores de prés et de clairières en fleurs et les sommets couverts de neige créent le sentiment d'éternité. Borovets est la plus grande station de vacances du Rila. Elle se trouve à 1350 mètres d'altitude, au cœur de forêts de pins séculaires, d'où vient son nom. À seulement 73 km de Sofia, la station est facilement accessible. Territoire de chasse préféré des rois bulgares dans le passé, Borovets est aujourd'hui une station de ski moderne de haut niveau, proposant aussi tout un choix de divertissement de luxe. Idem pour les sports d'hiver, ski alpin, saut à ski et biathlon. Borovets a par deux fois accueilli des compétitions de slalom, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin. La nappe de neige y est excellente de la fin décembre à la fin avril. La station dispose de 18 pistes de ski d'une longueur totale de 40 km. Longues de 18 km, les pistes de biathlon sont à quelques 2 km du centre de la station. Borovets est équipé de 14 télésièges et de 3 télécabines, ainsi que de 8 machines à neige artificielles, avec aussi plus de 200 moniteurs de ski professionnels qui parlent différentes langues étrangères. On organise également des excursions comprenant des traversées à ski sous la direction d'alpinistes expérimentés. Au cours de ces randonnées, on peut visiter plusieurs sites pittoresques du Rila, les fameux 7 lacs du Rila, le pic Maljovica, le pic Moussala notamment. Les hôtels, les restaurants, les discothèques et les magasins de luxe en rajoutent au bon séjour des vacanciers. À Borovets, il est également possible de faire du ski en nocturne et le service des secours en montagne fonctionne 24 heures sur 24. Les carnavals à ski sont une véritable fête et l'on n'est pas prêt d'oublier les soirées de distribution des licences de ski. We'll be right back.
Le mont Vitocha surplombe Sofia, la capitale. Cette montagne est un des symboles de la ville et sa marque déposée de plus haute capitale en Europe. Même si sa superficie est inférieure à celle des autres hautes montagnes de Bulgarie, le mont Vitocha a concentré en lui de nombreux facteurs positifs. De hauts sommets attrayants, des forêts vierges, plusieurs centres touristiques et deux centres d'alpinisme, des chutes de neige suffisantes pour garantir aux skieurs des conditions idéales. Et en y ajoutant sa proximité immédiate de la capitale Sofia, on comprend pourquoi cette montagne est si fréquentée et aimée. C'est là que se trouve la plus haute piste de ski naturel de Bulgarie, l'énorme versant dit Stenata, le mur. Elle est équipée de deux télécabines. Les télésièges, les remontes-pentes et les machines pour l'entretien des pistes ne sont qu'une infime partie des commodités qui offrent d'excellentes conditions de repos, de sport et de tourisme. Le chalet Aleko, qui est en fait un grand hôtel et qui marque le début de la partie bulgare du tracé pédestre européen E4, est un autre point de repère de la station. Les stations d'altitude bulgare offrent des conditions uniques pour des vacances d'hiver et pour la pratique du sport préféré. Venez vous en assurer vous-même et vous reviendrez encore et encore au rendez-vous du crépuscule dans l'attente de l'aventure suivante.